Déjantée, mais avec une cohérence à nul autre pareil. Mais aussi elle est belle et on l'aime. C'est vrai ça? Ok, d'accord. Sur le boulevard, tout y passe. Faits divers, actualité complètement décalée. On parlera de santé aussi, des trucs et astuces. Et tous les jours, on découvrira de nouveaux héros. Mais surtout, beaucoup de musique. Retrouvez-moi sur le boulevard de lundi à vendredi entre 10h et 12h sur Améga Radio. C'est clair, ça va bouger. L'invité du jour, 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 l'invité du jour. C'est l'invité du jour sur le boulevard. L'invité du jour sur le boulevard. Sur le boulevard, sur le boulevard, sur le boulevard. Je puis vous assurer simplement que je plains de plus en plus en écoutant le répertoire camerounais. Hein. Mais en plus de l'écoute, il est bien d'aller vivre le live de certains de nos artistes. En l'occurrence, bien sûr, celui de notre invité de ce jour. Son passé de chorégraphe hein, lui permet simplement d'éblouir les spectateurs à chaque fois qu'elle monte sur scène. Bon, elle a décidé hein, de valoriser sa culture, ses origines en mettant simplement en exemple le vol. J'espère que je prononce ça bien. Si c'est pas le cas, elle me le dira. Tout à l'heure. Alors, il aurait fallu hein, simplement qu'elle intègre l'association Akan Art pour se rendre compte voilà, de l'étendue de son talent et en chanson. Surtout, ça donnait simplement ce que vous écoutez comme merveille. À son natif depuis 2017, un maxi single de 3 titres. Depuis 3 semaines également, son clip Fang Ding caresse hein, nos oreilles et on chante simplement le cœur. Bah oui, c'est sans comme ça hein, d'être talentueuse, d'apporter un nouveau souffle à sa manière dans l'industrie musicale. Son nom, Eyong Bengodo Jeanne Tatiana, a.k.a. Tachi Eyong. Bienvenue dans ce studio et bonjour. Bonjour Carole. Comment tu vas ma belle? Je vais très 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 bien. Eh ben dis donc, je vois le sourire jusqu'ici. Ben oui, ça veut dire que toujours le sourire, toujours. Toujours. Et c'est bien, hein, généralement, c'est, on dit les gens qui sourient énormément sont des personnes très gentilles à la base. Mais lorsqu'ils s'énervent, et Marie-Jésus, il ne faut même pas venir à côté. Ah bon hein. Voilà. Bon, dis-moi, quand tu t'énerves, ça donne souvent quoi? Non, je fais d'abord le regard. Genre, donne ta témie.
If you pensez one seul instant that. Ne fais pas ce que tu veux faire là. Simplement. Alors, faut dire quand même que tu as réussi à perdre tes moyens hier ici face à Auréole. Tu me dis, mais bon, ici, il n'y a pas de domaine. Bon, il y a Serge Avoki là quand même. Comment je peux dire des choses comme ça? Il y a Auréole également qui est à côté de nous. Mais bon, faisons un peu abstraction de et parlons entre femmes ce matin. Yes. Uh-huh. Vraiment, je ne veux pas regarder voilà. Parce que. Sinon, je vais perdre mes moyens encore une fois. Donc. Voilà. Sur le boulevard ce matin, tu nous accompagnes donc dans le week-end et avec les auditeurs de boulevard, on va encore une fois découvrir cette très belle chanson Fang et Ding. Alors, dis-moi d'abord, c'est quoi? C'est vrai que j'entends Fang et Ding, j'entends amour, mais de quoi parle effectivement cette chanson? Je vois de la maltraitance, c'est tout le reste, c'est quoi? Raconte-moi un peu l'histoire. Voilà, c'est mon histoire. Fang et Ding, c'est mon histoire et c'est une histoire que j'ai vécue. Mais que je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu aussi. Parce que je voulais représenter le côté d'avoir été repoussé, d'avoir été rejeté, d'avoir été maltraité. Et par la suite, ou bien par la grâce de Dieu, avec des prières, tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui te prouvent leur amour tous les jours dans ton entourage. Donc, je veux célébrer ce bonheur-là à travers ces chansons en disant qu'effectivement, autour de moi, il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Énormément. En tout cas, nous également dans ce studio, on apprend encore beaucoup plus à t'aimer parce qu'il faut dire que Love, Lord Mekay nous a saturé pendant des mois et des mois. Avec ces très belles chansons. On t'est obligé d'être curieux et de savoir véritablement mais qui se cache derrière cet artiste. Et on a été agréablement surpris. Du moins, moi, la première fois que j'ai écouté, j'ai dit dis donc, il y en a au Cameroun. Ça court. Alors, dis-moi, comment ça s'est fait en fait la transition de chorégraphe à chanteuse? La transition, je crois qu'au milieu, il y a la musique, en fait. Donc, pour danser, on danse sur de la musique. Forcément. Il faut chanter sur la musique. Donc, c'est la musique qui m'a donné cette transition-là. Et je me suis dit, puisque je suis danseuse, et des amis me disaient, pourquoi tu n'essayes pas de chanter? Parce que je faisais un peu de chorale. Bon, sans vraiment m'accrocher à ça. Bon, je me suis dit que je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Et en essayant, j'ai tellement pris goût et j'ai décidé d'y rester. Ah, je comprends mieux, je vois bien maintenant. Voilà. Alors, mais comment, en fait, t'es venue d'utiliser plutôt Tati? Est-ce que Tati, c'est un sobriquet depuis l'enfance? Ou bien, parce que j'ai une amie comme ça, et je sais que ça fait seulement 24, je crois, que j'ai su qu'elle s'appelait Alexandra. Je l'ai toujours appelée Tina Songhe. Je croyais que c'était son nom, son prénom. Putain, ce n'était même pas dans son acte de naissance. Non, Tati, c'est Tatiana. Tati, c'est moi-même, ou bien mes camarades au collège qui m'appelaient Tati. À la maison, au quartier, c'était toujours Tatiana, partout. Tatiana avait le petit ton derrière, là. Okay. Et puis, comme je voulais rendre ça un peu mignon, un peu personnel, j'ai donc mis Tati avec un Y à la fin. Tout simplement. Yes. Alors, tu nous disais également hier qu'ils sont très nombreux dans ce milieu, qui t'ont tenu la main. Tu nous as cité, entre autres, Manu Dibango, Charlotte Dipanda. Il y a eu Daniel Eyog également, à sa manière, qui t'a apporté également son soutien. Ouais. C'était quoi la relation? Est-ce que, maybe, il y a un featuring prévu entre eux, Tati Eyog, Manu Dibango, Tati Eyog, Charlotte Dipanda ou Daniel Eyog? Je commence une très belle carrière et forcément quand on commence une carrière on a besoin de faire des collaborations parce que c'est ça aussi la richesse de la musique. Donc forcément je ne manquerai pas un appel ou bien à une proposition venant de ma part de pouvoir revoir une grande sœur comme Daniel Eyog, la première d'ailleurs qui m'a donné l'occasion d'être sur scène pour la première fois en tant que choriste. Donc, je ne manquerai pas l'occasion de lui demander. On garde de très bonnes relations. D'accord. Donc, et comme je suis là pour une longue carrière, donc forcément, j'aurai des collaborations. Ça, c'est certain. En tout cas, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Ouais. Simplement. Alors, dis-moi, j'ai bien l'impression que la basse t'a un peu loupé quand même. Là ? La basse. N'est-ce pas ? Elle ne connaît pas la basse. La brigade anti-Sadina. Vois que ça m'a tellement loupé que je ne savais même pas. Il s'agit, en fait. Alors, j'imagine quand même que tu as entendu parler de tout ça, vu que tu as été invité à un déjeuner il y a quelques semaines ou quelques mois, simplement. Comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as vécu cette situation, en fait? Je suis quelqu'un de très discret. Donc, je regarde les choses avec beaucoup de discrétion, beaucoup de recul. C'est une situation délicate parce qu'il y a beaucoup un mélange politique et un mélange culturel et général parce que le pays souffre beaucoup de ces deux côtés-là. Donc, c'est vraiment contradictoire, c'est paradoxal et puis c'est assez délicat. Donc,
je veux pas trop m'étendre dessus parce que après je ne saurais pas comment donner mon avis sans que ça ne prête à confusion peut-être ou alors on peut donner un avis sans toutefois prendre parti par exemple genre en tant qu'artiste moi j'imagine qu'on ne devrait pas dire non à une invitation juste parce que on est je sais pas moi d'un parti politique ou justement ou je suis de cet avis là de dire que l'artiste, comme on dit, les stars sont des étoiles. Et les étoiles ont la facilité de se placer où elles veulent. Voilà. Où elles veulent, sorry. Donc, il y a ce placement-là, ça vient de la liberté. Pas du libertinage, mais de la liberté de pouvoir s'exprimer au moment voulu, au moment donné. Et où on veut. Au moment où on ressent le besoin de s'exprimer. Voilà. Tout simplement. Donc, on ne devrait normalement pas en faire débat, comme ça a été le cas. Non, on ne devrait pas. Maintenant, si l'artiste, si l'artiste a un projet politique vraiment reconnu, là, c'est encore autre chose de se présenter sous ce cadre-là. Mais si ça émane d'une simple invitation qui n'a pas de rien trait, à voir avec, qui n'a pas de trait avec le côté, voilà. Moi, je ne trouve pas de problème, en fait. De la politique et revenons merci beaucoup je voyais quand même que non maman reviens je suis revenue merci parlons de musique alors dis-moi comment est-ce que tu t'organises généralement pour tes concerts parce que quand on te voit sur scène sincèrement il y a une grosse équipe j'allais dire que tu déploies est-ce que tu as des danseurs avec qui tu travailles sur tous tes concerts ou c'est du genre à chaque concert tu recrutes certains pour travailler avec toi non pour qu'un projet ait de la lourdeur. Il faut fonctionner avec une équipe concentrée et consistante. Donc, c'est avec les mêmes danseurs que je fonctionne partout où je vais. Ah, d'accord. La même équipe, les mêmes musiciens. Bref, en général, la même équipe. Maintenant, tu peux te retrouver avec un remplaçant quand quelqu'un est indisponible, mais vraiment, c'est toujours la même équipe. Et parce qu'il y a un travail derrière, il y a des répétitions à faire, il y a des essayages à faire. On est vraiment dans le sens professionnel de la performance. Déboucher juste cette question pour parler un peu de l'aspect spectacle au Cameroun. Parce qu'on a un gros problème en matière de spectacle. On a énormément d'artistes talentueux, mais qui, lorsqu'on arrive sur la scène, généralement, on est un peu fatigué d'écouter ce qu'on écoute les jours sur les sites d'écoute et de téléchargement. On a l'impression qu'on vient revivre le CD. Pourtant, on est venu à un spectacle. Oui, effectivement. Et quand on dit spectacle, je pense que le spectacle a... entre parenthèses, le côté vivant. Voilà. C'est pas entre parenthèses, c'est le cas. Puisque quand on dit spectacle, ça doit être vivant, ça doit être quelque explosif. Chose explosif. Ou quand tu rentres chez toi, tu dis que waouh, j'étais quelque part. Voilà. Tu vois. Et c'est généralement ça. On a ce problème-là où on ne sait pas trop faire la différence, ou on ne sait pas apporter ce côté spectacle dans les scènes. Maintenant, ça dépend de ta ligne artistique, de ce que tu veux donner aux gens. Mais pour moi, la musique live a cette force quand tu assistes à un spectacle, tu te dis que je suis venue, tu ne regrettes pas d'avoir donné ton argent. Tout simplement. Donc, du coup, tu rentres avec quelque chose de bien, tu rentres soigné, tu rentres guéri de quelque chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à créer ou à mettre sur pied une compagnie qui pourrait accompagner, par exemple, les autres artistes ou alors les inviter à le faire, maybe?
Je crois qu'il y a, des danseurs. Oui, il y a des danseurs qui essayent de mettre sur pied des associations. Mais comment faire pour que les artistes intègrent cela? C'est ça, en fait. C'est quand même difficile parce que ça dépend de la vision que l'artiste a. Est-ce que j'ai une vision de vouloir avoir les danseurs sur scène? Est-ce que j'ai une vision de vouloir... Il y en a même de qui, vouloir... les qui ne viennent pas avec. Voilà, en même temps. Les chorégraphies sont aussi... En même temps. C'est tellement délicat parce qu'il y a le côté professionnel. Parce qu'en même temps, si tu décides d'avoir des danseurs, prends quand même des danseurs qui vont un beau spectacle. Qui sont de vrais artistes, voilà. De vrais danseurs, quoi. Donc ça dépend vraiment de la vision de l'artiste. Et maintenant, dans ta vision, il faut faire l'effort, il faut faire tout pour que ce soit professionnel à tous les niveaux. Tout simplement. Alors, dis-moi, c'est quoi donc la suite de ces mots comme ça? Parce qu'il y a 3 mois, effectivement, tu as commis sur le marché du disque ton maxi single, ces mots comme ça. Ouais. Et juste, il y a quelques heures, j'ai envie de dire comme ça, hein, Jamie Fang Edding sur YouTube et tout le reste. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un EP que tu prépares? Est-ce qu'il y a un album que tu prépares derrière ça? Derrière ça, il y a des chansons qui arrivent, qui sont en préparation. Il y a un album qu'on est en train de visualiser et qu'on est en train de projeter pour la fin de l'année, on l'espère. Voilà, mais pour l'instant, on est vraiment sur une fan meeting, on est sur cette proposition-là, ce nouveau bébé. Et on entre dans l'année avec et puis... Et les autres vont arriver derrière. Tout simplement. Hein. Alors, pour le plaisir de nos auditeurs ce matin, on va faire un a cappella de cette très belle chanson. Moi, j'aime bien t'écouter en live. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait l'instru, mais on va faire ça comme ça, simplement. Fangeding. Voilà, okay. Fangeding. C'est comme tu veux, comme tu sens, comme tu ça peux. Ça fait. Aïe, qui est. Aïe, 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 ka. Quand le bot bunga s'assume, quand le bunga vient de me, bunda gle me. Aïe, ke, ke. Aïe, 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 wow. Mungo kutu mu bong na masili ding un fangi ding a de manning a de. Oh my god. Sincèrement, ça bouge énormément. Pourtant, le message en lui-même, il est assez profond. Hein. J'ai bien peur parfois que certains vont se perdre ou se noyer dans le rythme et oublier d'intégrer, j'ai envie de dire, même les paroles de cette très belle chanson qui sont assez fortes, hein, faut le dire quand même. Oui. Vivre ce genre de situation, vraiment, on ne le souhaite jamais à personne. Simplement parce que ça laisse forcément des blessures. Ouais, ça laisse des blessures. Mais après, quand je dis « Aïe yeah, », c'est une façon d'appeler, c'est un appel. Je dis que venez écouter ce que j'ai à vous dire. Venez écouter ce que c'est que le bonheur dans votre vie. N'oubliez pas que il n'y a pas que la souffrance. Il n'y a pas que d'avoir 10 000 amis derrière. Ouais. Quand tu as 2-3 personnes qui sont là tous les jours, de sourire, quand ça ne va pas et quand ça va, c'est les meilleures personnes. Le reste ne compte pas. Voilà, simplement. Alors, dis-moi, est-ce que Tati Young est en autoprod ou alors il y a déjà un label qui t'a signé ou qui envoie de te signer? Tati Young est signée dans une maison de production. Laquelle? Enfin, Phare Empire. Phare Empire. Yeah. Eh ben, dis donc, ben, bravo. Merci. Ça s'est fait quand la signature? Parce que ça m'a échappé. ça s'est fait... discrètement, tu sais, toujours dans la discrétion, ça se fait discrètement en fin d'année passée, 2018. Donc voilà, c'est arrivé naturellement, c'est arrivé simplement, on a été contacté et voilà, on y est. Tout simplement. Alors, comment tu te projettes dans 10 ans? Dans 10 ans, oh là là, dans 10 ans, je me vois avec plein de collaborations, des albums, je me vois faire des spectacles hors du pays, des grandes scènes, je me vois voyager à travers le monde pour pouvoir partager la musique camerounaise et cette fusion de la musique occidentale. Donc vraiment, je me vois rester et perdurer dans la musique. Tout simplement. Alors, dis-moi, si je t'ai dit, par exemple, aujourd'hui, de devenir actrice, ça te dit quelque chose? Actrice? Ouais. Mais j'ai fait de la comédie, donc ça ne me dérangerait même pas. Ah donc, bon? Tu vois que quand je prends un peu le plan, là, ça fait un peu comme si je suis déjà une certaine comédienne. Tu vois, ça ne me dérangerait pas, tout ça, c'est de là. Bon, comme tu as dit ça, c'est bien. J'ai eu le OK par rapport à quelque chose que je vais faire tout à l'heure. Mais voilà, donc t'inquiète, non, ne sois pas. Non, je n'ai pas peur. Voilà. Je suis très concentrée. Alors, dis-moi. Tati, comment est-ce que toi, tu t'es définie? Ouf. C'est difficile, hein, de se définir personnellement. C'est toujours,
toujours mieux peut-être de recevoir des autres pour savoir un peu. Qu'est-ce que les autres disent généralement de toi? Est-ce qu'ils disent que Tati Ayon, c'est une fille qui est vilaine? Est-ce qu'ils disent que c'est une fille qui est très gentille? Qu'est-ce qu'ils disent généralement de toi? Oh, que je suis gentille, que je suis respectueuse et que je suis têtue. Que, Le karaté des gens talentueux, c'est souvent ça. Que je suis très têtue et que quoi? Que j'ai une belle sensibilité, je suis sensible et j'aime. Que je suis bizarre. Ah ouais. Parfois. On n'arrive pas à te contrôler, on n'arrive pas à te maîtriser, à te cerner. Voilà. Parce que quand je dis je veux parler d'un truc qui me vient là. Quand je dis par exemple que je suis sur scène. Quand je suis sur scène, il y a je sais pas combien de personnes, je ne vois personne. Mais je souris tellement, mais je vois des choses que vous ne voyez pas. Je vois des papillons. Mais ça, c'est vrai, je vois des papillons quand je chante. Okay. Et les gens trouvent bizarre quand je le dis, pourtant je le vis vraiment. Ah ouais? Donc, ouais. C'est déjà, tu es en train de planer en fait, tu es dans ton monde et tu fais ton. Dans mon monde, voilà, tu réalises ton rêve. Alice au pays des mers. Tu vois un peu ça, ça fait genre je cours au ralenti, les feuilles dansent, tout est dur. Et quand tu descends là, ça t'énerve parce que tu commences à regarder les gens qui. Tu vois les yeux finalement, okay. Tu dis oh ok, j'ai oublié que j'étais, j'étais là. Est-ce que tu es du genre femme à problème, genre tout le temps à agacer ton mari ou alors agacer ton conjoint ou ton mec, je sais pas moi, ou alors tu es le genre de femme très douce et tout là? Je suis très douce, mais je suis trop calme. Trop calme. J'ai un calme qui est souvent très inquiétant. Donc parce que je. Genre quand tu es très calme, il faut se méfier de ce que tu penses. Non, pas forcément. C'est juste que les gens s'en méfient, alors qu'il n'y a pas de raison de se méfier. Je suis juste calme comme ça de nature, tu vois. Je suis très calme, très observatrice parce que j'aime pas dire les choses dans la colère. J'aime pas dire les choses sans avoir réfléchi un peu, sans avoir vu un peu. Bon, qu'est-ce qui se passe sans avoir arrangé un peu. Et voilà. Et je ne suis pas quelqu'un de jaloux, tu vois. Mais je suis parce que je suis. J'ai beaucoup de très amoureuse. Voilà. Je parle d'amour tout le temps. L'amour, c'est le meilleur sentiment. C'est ça qui habite l'homme, en fait. Donc, je parle d'amour tout le temps, mais je suis toujours réservée, toujours en train de regarder, c'est toujours normal. En train de. Bon, qu'est-ce que et les gens s'en plaignent, les hommes s'en plaignent parce qu'ils trouvent que je ne suis pas jalouse, que je n'exprime pas ma jalousie. Mais non, tu forcément, t'es où, exprimes ça quelque pourquoi part. Pourquoi tu rentres tard, tu vois manière. Et quand tu rentres à 3, 4, 5 du matin, tu t'en fous. Ça va, c'était bien. Et ça crée le trouble. Tu n'as pas, je vais dire quoi? Parce que généralement. Bon, ça dépend maintenant. Voilà. Parce que si tu fais ça un mois, deux mois, là, je vais te dire que mais, mon frère. Tu veux déjà déranger. Tu veux déjà déranger là. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas parce que tu me vois calme là que. Tu veux faire n'importe quoi. En voilà, même temps. C'est un peu dans ce sens. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de la soumission en tant que femme? De? La soumission. Ouf. Je pense que ce n'est pas bien. Je pense que ça ne devrait pas être un motif principal, primordial de dans le mariage. Tu es mariée, mais il y a le côté, comment je vais dire, le côté symbiose. Parce qu'un couple, c'est deux personnes qui s'unissent pour vivre un amour. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur et l'autre qui est soumis. Inférieur. Donc voilà, moi je trouve que la soumission dans le mariage ou bien dans un couple, c'est un tue-l'amour. Tout simplement. Ouais. Donc toi, tu n'es pas du genre à dire que quand il parle, il te dit viens ici, tu viens. Pour moi, il te masse, je m'attends te gronder. Pour moi, tu sors d'où? Ton métier là, vraiment, moi j'en ai marre. Le fait que tu sois tout le temps devant les gens, vraiment, ça me fatigue. Il faudrait que tu arrêtes ça. Je n'ai pas du temps, tu vas dire que mon cher, faut savoir comment me parler. Ou bien tu restes calme. Non, je vais le regarder, je vais lui dire que bon, quand tu es venu, tu m'as trouvé quelque part. J'étais déjà en train de danser. Et on s'est entendu dès le départ que je ne vais pas m'arrêter. Donc si ça t'énerve là,
Mais on se sépare. C'est tout. Et moi, ça me permet d'aborder un autre sujet ici. Parce que généralement, les femmes qui font ce métier ont du mal à se caser. Pas parce que, comme certains pensent, c'est parce qu'elles sont frivoles, mais c'est parce qu'elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui pourrait l'accepter avec son métier. L'accepter et comprendre. Est-ce que tu rencontres cette même difficulté? Bah ouais. L'accepter et comprendre. Parce que il faut comprendre que le métier demande une certaine disponibilité, une certaine disposition. Et pour comprendre ça, parce que l'homme en général, c'est quelqu'un d'orgueilleux, de jaloux, de possessif. Donc il va avoir pour lui, il n'aime pas partager. Du coup, il ne va pas avoir la compréhension de voir que voilà, je suis une artiste. Après un concert, je suis obligée de signer des autographes. Par exemple, suis obligée de créer un contact avec les gens, de discuter pour voir la suite. Et après, quand les gens partent, de faire un débriefing, de rentrer, de comment ça se passe demain, qu'est-ce qu'on fait et tout avant de rentrer. Ça te fait, tu rentres tard, mais il ne comprend pas. Comment tu sors avant moi, tu rentres après moi. Il faut qu'on commence à voir comment tu limites tes choses. Après, maintenant, il faut accepter. Il faut accepter que si tu, parce que tu peux ne pas comprendre, mais avec le temps, tu vas le comprendre. Mais il faut pouvoir accepter. D'accord. Que je suis sur scène. Devant je suis belle. Après, dès que tu vas rentrer sur Messenger, on va te draguer. Les hommes vont venir. Même si on va voir la photo, un selfie, on va dire que non, le selfie, si le mec c'est là, ce n'est pas un selfie simple, tu vois. Et c'est très délicat et ça fait que on n'arrive pas souvent beaucoup, nous les femmes, à se caser parce que c'est un côté très difficile dans le couple. Ah, ça, est-ce que Tachi est encore à prendre ou pas? Silence dans la salle. Moi, je n'aime pas leur parler de ma vie privée. Est-ce que j'ai demandé son nom? Je n'ai pas demandé son nom. Je n'ai pas dit qu'il travaille ou je n'ai pas dit que. J'ai demandé, est-ce que tu as tient un cas? Parce qu'il y a les gars ici là qui écoutent, qui disent que ouais, il faut que je positionne mon. Un peu genre, ils peuvent m'appeler après Carole, maman, la fille qui a reçu la vie. Quand je les avais mis sur mon statut tout à l'heure, il y a un gars qui m'écrit que mais elle est mariée. Elle dit qu'elle avait demandé. En tout cas, je ne suis pas mariée. C'est la seule réponse que je peux donner. On s'en tient, ça n'est pas marié. Ça veut dire que les gars peuvent. Non, on n'essaie jamais. Chacun lance son maïs. Dans sa mort, oh, tant pis. Je ne suis pas mariée, mais. Mais. Point final. Voilà. On attend. C'est ça le plus important. Alors, dis-moi, en amitié, tu es quel genre de personne? Ouh, en amitié, je suis. Je suis. Saoulante. Marlène peut. Comme elle est encore dans ce studio, dis-nous, elle te saoule comment? Elle te dit quoi? Elle te fait quoi? Et Laure aussi va parler parce que je suis réservée. Tu vas parler Laure? Non, elle va me décharger. Donc, mieux on laisse parce qu'elle va me. Marlène peut me décharger, mais ça aura un autre goût du passé, tu vois. Elle a le goût du présent. Donc. Tachi est quel genre de personne en amitié? Attention, on doit ouvrir son micro, merci. C'est bon, on va dire qu'elle est genre totale. Si Tati vous aime, d'accord, elle vous aime totalement. Mais le jour où elle ne vous aime pas, il n'y a pas les plans. En fait, c'est, on n'a même pas besoin de midi à 14h pour traduire. Tati, elle est comme ses chansons. Ah ouais. Tu vois, elle est entière. Et c'est quelqu'un de très maternel. Donc, quand elle fait quelque chose là, elle met 800% de son cœur. Donc, elle doit donc, même du coup, encore si, elle, si tu la déçois, c'est de la même manière qu'elle va te haïr. Non. J'adore l'expression. Je dois mon cœur. Voilà. Je vais utiliser ça. Non, mais en fait, elle est pas fausse. Elle est vraie. Et puis, je pense que si les gens aiment autant ce que Tati fait, c'est parce qu'ils ont ressenti cela. Ils ont réussi à percevoir ce qu'elle transmet dans ses chansons. Elle, je veux dire, c'est la go de l'âme à l'âme. L'âme te parle. C'était bravo, sincèrement. Oh, merci, Marlène. C'est depuis quand même 2004 que je connais Tati. Ah ouais, ouais. La précision fallait la peine. Non, 2004. Ouais. Et c'est pas seulement ça. C'est pas la danse, c'est pas la chanson, c'est beaucoup d'autres choses. Ah ouais, là, on aura l'occasion de découvrir un autre. Non, on n'a même pas encore commencé avec Tati. On n'a même pas encore commencé. Comme les gens disent souvent, on n'est même pas prêts en fait. Non, vous n'êtes pas encore prêts. Ce qui arrive là, je suis pas sûre. D'accord. On a écouté. Alors, j'ai envie qu'on revienne un peu à Fangending. Quand on parle un peu de ce cas de maltraitance, je vais te mettre un peu dans une situation un peu bizarre. Genre, tu as fait un enfant ou tu as fait des enfants et par la force des choses, il arrive que voilà, tu vives des situations vraiment très compliquées de manière à ce que tu sois obligé, par exemple, de confier ton enfant à ta sœur, à une tante, je sais pas moi, pour qu'elle puisse l'élever dans de bonnes conditions. Et à un moment donné, tu te rends compte véritablement que cet enfant subit des choses vraiment atroces dans la maison. Genre, travaille tard dans la nuit, n'arrive même pas à s'asseoir pour étudier ses cours et tout le reste. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu enlèves ton enfant de là ou alors tu fais quoi exactement?
Non, si de façon drastique et brutale tu enlèves ton enfant, ça veut dire que tu es déjà assez préparé pour le mettre dans un autre confort. Donc si tu l'as confié à quelqu'un, c'est parce que tu veux te préparer pour mieux t'en occuper, mieux t'occuper de toi et mieux t'occuper de lui. Donc c'est vrai que c'est délicat quand tu entends seulement qu'on a giflé, on a seulement poussé la tête comme ça, ça te dérange. Mais après tu te dis que bon, si c'est ma sœur, c'est quand même aussi la mère de l'enfant, donc je peux quand même supporter. Il faut que je me dépêche pour que je sorte mon enfant de cette situation. Voilà, c'est dans ce cas. Mais quand ça devient vraiment grave, là il faut trouver la mesure directe, quoi. Bien dit, hein. Tu vois, bien dit. Je connais quand même un peu. Alors dis-moi, Tati, oui, que penses-tu du tapé d'eau? Mon frère, il y a les expressions camisiennes. Bah oui. Tapé d'eau. Donc tu te couvres comme ça là, quelqu'un vient taper. Non, je t'explique. Si tu dis que tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Le tapé d'eau, c'est quoi? C'est genre ton ami, se met à courtiser ton mec dans ton dos, effectivement, de manière même à arriver à autre chose, je sais pas moi. Genre, tu découvres maintenant qu'est-ce que tu fais. Ça te dit quoi? Ça te fait quoi? Est-ce que tu as déjà eu à avoir une amie dans ce sens? Non, j'ai pas, j'espère ne pas avoir vraiment. Pardon, Seigneur, entends mes prières. Non, j'ai pas encore eu ce genre d'amis, mais j'ai vraiment vécu ce genre de cas autour de moi. Et le tapé d'eau, c'est pas bien. Hein. Ce n'est vraiment pas bien. Si ton ami te fait ça, ça veut dire que à la base c'est pas ton ami, parce que l'amitié demande de la loyauté. Ouais. L'amitié demande de l'amour et l'amitié demande de la fidélité. Tout simplement. Donc, c'est inadmissible de vivre un tapé d'eau. Maintenant, l'amour a souvent ces choses-là que tu ne peux pas comprendre. Donc, le cœur t'appelle, si ton cœur t'a tellement appelé, ce serait mieux d'aller dire à ton ami que bon, la vérité c'est que j'ai aimé ton gars. Mais mieux, il te dit ça et quitte. Mieux, on n'est pas les amis. Est-ce parce que tu vois, c'est ce genre de situation? Non, pas vivre moi personnellement, mais je l'ai vécu autour de moi. Oui. Ouais. Vraiment. Genre une fille qui est tombée amoureuse de, de sa copine. Mais sa difficulté à elle, c'est qu'elle n'a pas dit à son amie. Elle est venue me dire à moi. Ah, d'accord. Parce qu'elle ne savait pas comment gérer je lui ai dit que il faut lui dire. Moi, j'ai conseillé d'aller lui dire. C'est une bonne idée de lui dire. Parce qu'elle peut facilement se méfier, en fait. Oui. Après, tu cours le risque, non. Si ça dépend maintenant. Si tu veux sauver, si tu te sens vraiment que non, je aime le gars-là, il faut que je fasse tout pour être avec lui. Ah, okay. Ou alors, tu veux sauver ton amitié. Qu'est-ce qui est plus important dans ce moment-là? Mettre ton pied sur ton cœur. N'est-ce pas? Oui. Après, tu gères, non, moi. C'est ça. Tu gères le retour seulement. Voilà, parce que tu gères le retour, mais c'est toujours bien d'être sincère avec soi-même. Et après, tu cherches comment gérer, c'est tout. D'accord. Alors, puisque tu le prends aussi simplement, on va te mettre dans cette situation-là tout de suite. Voilà. Comme je t'explique. Attends, je t'explique quelque chose. Elle rit là, c'est comme si. Tu ne veux pas dire qu'elle me dit à côté, non. Je vais t'expliquer les trucs, en fait, tu vois un peu. Je t'explique les trucs. C'est un canular. Quand on a des invités ici sur le boulevard, généralement, on concocte quelque chose de bizarre, en fait, et on leur fait passer, en fait, le test. Non, t'inquiète pas, la personne n'est pas dans ce studio, mais tu la connais très bien. Elle s'appelle Sandrine Nanga. Ah, d'accord. Voilà. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va pousser la chanson, ok? Mais je vais d'abord expliquer à tous les auditeurs et à toi directement, ils sont en direct. On va l'appeler par téléphone. Ok. D'accord? Et tu vas l'accuser d'avoir dragué ton mec. J'ai déjà fait tout le script, hein, donc ne t'inquiète même pas. J'ai déjà tout écrit, tout est là. D'accord. Donc tu vas d'abord la saluer normalement. Il paraît même qu'elle est à Douala. Ok. Oui, voilà, donc il paraît qu'elle est là. Je me suis déjà arrangée de manière à ce qu'elle ait son téléphone à côté d'elle. Elle-même, elle ne sait pas, donc elle ne saura pas. C'est juste autour d'elle qu'on sait qu'il y a quelque chose comme ça qui se trame, en fait. Donc on va l'appeler par téléphone tout à l'heure. Elle saura que c'est moi? Elle saura que c'est toi, mais tu vas te présenter normalement parce qu'il faudrait même. J'aurais même aimé que ce soit avec ton téléphone que tu appelles de manière à ce qu'elle ne les a pas. C'est parce que c'est un numéro inconnu, par exemple. Okay. Donc, on va mettre la musique, on va pousser la musique et on va caler tout ça. C'est quelques secondes seulement, vous inquiétez pas. Donc, on va vivre ça en direct. Tu vas l'appeler, tu vas planter le décor normalement, la saluer. Comment tu vas? Ok, d'accord. Il y a une situation que j'ai vécue, que vraiment, j'ai entendu quelque chose depuis un certain temps, mais je voulais vraiment me rassurer et te dire que je suis pas fière de toi. Tu vois, c'est comme ça que tu vas commencer. Et tu vas l'agresser au téléphone. Hein. On veut avoir sa réaction à chaud. Tu vois, le j'entends. On pousse la chanson et juste après cette chanson, on ouvre notre canular. Mmh.
wapele tuwo vorluwe Boba wongpali tuwo bisuwe Betuna kaka Sien, 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 tuwo delisie E wapele tuwo bebuwe Boba wongpali tuwo bisuwe Betuna kaka Voilà, go. Oh. Ça va, c'est ça. Tu disais l'autre jour que tu vas arriver, non, tu es arrivé. Eh? Tu disais l'autre jour que tu vas arriver à Douala, non, tu es arrivé. Tu quoi? Tu disais que tu vas arriver à Douala, tu es arrivé. Oui, je suis arrivé. J'ai dit à l'autre, non. Oui, oui, c'est ce que je dis, je veux savoir si tu es arrivé. Mais toi, y'a. Yiki, tu parles les Wondo. C'est quoi ton programme? C'est quoi ton programme? J'ai juste fait comment le soir. Ah, donc, entre temps, tu es libre. Mm-hmm. En fait, je suis embêtée. Hein, j'ai un problème, en fait. Mais mm-hmm. je voulais qu'on en parle, mais comme j'ai des radios là, je sais pas trop. Je connais pas mon programme. Je vais un peu voir avec Laure à côté. J'ai un véritable problème et comment dire, je suis vraiment pas contente. Je peux dire que je suis même en colère, mais j'essaie de me contenir, en fait. Il y a un ami, je vais taire le nom, qui m'a parlé hier. On s'est vu, on était hier ensemble, et quand j'ai su ça, j'ai voulu t'appeler à l'instant. Parce que j'ai d'abord insulté le mec. Je lui ai dit que non, c'est pas Sandrine qui peut faire des choses comme ça. De toute façon. Et tu vois que je vais te dire, en fait, c'est que il m'a montré des messages que vous vous êtes rencontrés à la Villa des Lys la dernière fois. Tu avais un truc là-bas, je crois, une cérémonie dernièrement là. Et vous vous êtes rencontrés là-bas. Vous avez tellement causé. Et apparemment, de ce qu'il me dit, c'est que tu le dragues et puis machin. Je sais pas comment ça se passe, je veux même pas connaître, mais. Que tu dragues le mec, non, que tu dragues le mec, que vous vous draguez, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pas le côté là qui m'intéresse, en fait. Le côté qui m'énerve, c'est ce que tu as eu à dire de moi. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai pas cru. Mais après, il m'a montré des messages. Donc, je ne sais pas si c'est un faux numéro ou bien c'est vraiment toi qui as écrit tout ce que j'ai vu là. Donc, je ne comprends pas comment tu Je ne sais pas, c'est pour ça que je voulais te voir pour qu'on en parle vraiment, parce qu'ils m'ont envoyé des messages et je ne suis pas vraiment contente de ce que j'ai lu. Ça m'a vraiment blessée que c'est toi qui puisses dire des choses bizarres comme ça sur moi. Genre je ne suis pas fidèle en amour, que je t'ai fait un sale coup, mais tu ne donnes pas les précisions, donc j'ai pas compris, mais comme je voulais pas entrer dans les détails, je voulais d'abord juste te dire ça comme ça pour que on essaye de se voir, mais comme tu as émission et comme j'ai un programme, je sais pas comment on peut se voir, même vers 15h par là, ou je sais pas. Attends, quelqu'un t'a écrit? Non, quelqu'un m'a pas écrit. On s'est vu hier. Il y a un ami, on s'est vu hier et il m'a dit, on a parlé, puisqu'il est à Douala, il m'a dit, on a parlé, il m'a dit que vous vous êtes vu à la Villa des Lys la dernière fois. Voilà. Mm-hmm. Il m'a dit que soit vous vous draguez, soit tu es sa go, bien je ne sais pas trop quoi. Après, il m'a dit que tu as parlé un genre de moi. Et il voulait me dire ça parce que ça l'a vexé, en fait. Et moi, je ne l'ai pas cru. Je dis qu'à Kafi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi elle fait genre, elle ne connaît pas? Elle sait de quoi il s'agit. En fait, c'est ça. C'est complètement impossible. Complètement. Comment complètement impossible? Il s'est passé, je n'ai même pas envie de parler avec elle, mais elle sait de quoi il s'agit. Elle sait bien qu'elle ne fasse pas semblant.
Estée. Attends, c'est qui la personne exactement? Bon, il y a des gens à côté de moi, je ne peux pas dire le nom. C'est, moi, je voulais juste te dire ça comme ça qui en passant. Qui ne passe pas, Jean? Elle sait de quoi il s'agit. Qu'elle dise la vérité. Elle a dit ça et j'étais même là, j'étais présente. Qui parle à côté? Pourquoi tu veux savoir qui je suis? Ce n'est pas important. Dis la vérité à ta copine. Dis la vérité à ta copine. Dis à ta copine que tu parles mal d'elle dans son dos, que tu veux draguer son gars, que tu veux son gars. Dis-lui ça comme ça. C'est qui d'abord? Bon, je sais pas si tu la connais, c'est des gens que je... Ouais, c'est... Tout se laisse, non, je vais la laisser. Qu'elle dit, si c'est qu'elle dit qu'elle est ta copine, qu'elle te dise la vérité, elle veut ton gars et qu'elle ne dise pas pourquoi. Tu sais de qui on parle, tu sais très bien de qui on parle. Tu as envoyé les messages à qui? Tu as envoyé les nudes à qui? Les nudes? Oui, tu as envoyé à qui? À qui? Maintenant, tu ne sais pas, hein. Mais prononce le nom, pourquoi on doit prononcer le nom? Tu sais de qui il s'agit, toi-même dis. Vraiment, Sandrine, je croyais vraiment, quand je te voyais, je croyais vraiment que tu étais une fille saine, que tu étais une fille bien. Mais fais ça à ton amie, ta copine. Je vous vois tous les jours sur les photos partout. Tu es partout avec elle, tu marches avec elle. Ta chienne est montée, ta chienne est descendue. Vraiment, et tu viens de la tapette comme ça. On fait ça. C'est comme ça que j'ai tout dit que l'amitié entre filles, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Ne cherche pas à savoir qui je suis, mais il faut seulement dire la vérité à ta copine. C'est tout ce que je veux. Non, je ne parle pas de qui est en train de parler. Je dis les garçons, c'est qui. J'ai pas besoin de donner son nom. Tu sais de qui il s'agit. Tu sais bien de qui on parle. Sandrine, ne fais pas semblant. Moi, je n'aime pas ça. Et j'ai dit que tu as dit que Tati était une mauvaise fille. Moi, parce que quand je lui ai dit ça d'abord, elle ne croyait pas. J'ai appelé le gars en question. Lui-même, il est venu lui dire, il lui a montré les messages en question. Sandrine, dis la vérité. Sandrine, dis la vérité. Seigneur, aujourd'hui, c'est même un grand jour pour toi. Dis la vérité. Dieu pour que Dieu qui derrière toi, qui te bénisse. Je n'ai absolument pas de quoi vous parler. Quand je suis arrivée à la villa de Lys la dernière fois, oui. J'étais assise à côté de... qui a l'ami de Royal J là. C'est avec lui que j'étais assise. J'étais assise avec Cindy Box. Mm-hmm. Sinon, les deux personnes étaient à côté de moi. Donc, quand vous dites que je parlais avec un garçon, via WhatsApp en plus, je ne me rappelle, je ne sais pas de qui vous parlez. Tu es certaine? Ah, Sandrine! Comment je vais mentir pourquoi? Il y a des photos, non? Il y a des photos où vous pouvez voir avec qui j'étais assise. À la Villa d'Eli. Mais non, est-ce que nous on était là pendant toute la soirée? On sait que tu... Ouais, mais laisse d'abord. Non, je ne peux pas la laisser comme ça là. Laisse, ça va. Je vais gérer avec. Est-ce qu'on peut se voir? Tu es disponible. Fais 15h, ça t'arrange. C'est pas possible. Jusqu'à j'envoie les nudes. Tu dis? Wow. Jusqu'à j'envoie les nudes. Ben quoi, 15h? Oui, 15h, si tu es disponible. 15h, je suis à l'appartement. Il faut me venir avec la dame qui parle. Elle vient faire quoi avec moi? Ben, laisse d'abord, non. Pourquoi je dois laisser? Tu es logé où? Tu es de quel côté? Je suis à Aqua. Ok, je vais m'arranger et puis je vais arriver là-bas. Ok. Tu vas me dire juste exactement où tu es, en fait. Juste en face du pavillon Samuel Eto'o, il y a un bâtiment blanc cassé ou beige, quelque chose comme ça, avec des bords en carreau blanc cassé. De toute façon, quand j'arrive alors de ce côté en face du pavillon, là, je te fais donc signe. Comme ça, tu nous indiques mieux. Mmh. Allô? D'accord, à tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, Sandrine? Oui. Je suis Carole Chamini et tu viens de te faire piéger. Tu viens de te faire piéger sur boulevard. Sandrine, je t'ai piégé. Mon Dieu, je t'ai piégé, Sandrine. Je dis que je vais acheter le vin. Je vais acheter. Sandrine, je suis même en direct sur la page de Love Lord. Donc, je vais acheter le vin. Voilà. Je vais arriver chez toi. On va s'asseoir. On va boire. Elle me dit oui. Voilà, assis. C'est quoi, dis-moi, tu tremblais déjà, tu tremblais. Alors, t'as dit comment tu descends, ça va? Ça va? Voilà, tout ça a été arrangé avec ton manager, avec la collaboration de Love Love Maker. J'arrive là-bas tout de suite.
Et bien, c'est tué. Arrive d'abord, mais c'est tué. Ah, moi, je t'aime mal. Je t'aime jusqu'à ce n'est même pas. Je t'aime, ça a réussi mal. Ah, c'est alors, on rappelle que Sandrine également sort son clip tout à l'heure. Oui, à 18h. À 18h. Sandrine, tout à l'heure, tu sors ton clip apparemment. Ça va aller, n'est-ce pas? Ça va aller, non? Non, ça va. Essaye de te reposer un peu. Ça va? Des bisous à toi, Sandrine. On se donne rendez-vous à quelle heure exactement? Carole. Oui, oui. Carole, je vais te tuer toi aussi. Il n'y a pas de souci. Je vais te tuer deux fois. T'inquiète, tu auras l'occasion de prendre ta revanche lorsque tu seras sur le boulevard. T'inquiète pas pour ça. Gros bisous à toi, simplement. Gros bisous. Bisous, bisous, Sandrine. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh my god. Bah bravo Tati. Je me sens apprise. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Alors comment tu as fait? Comment tu t'es sentie? Aïe aïe aïe. Non. Parce que genre c'est une amie en fait. Non, en fait Sandrine c'est mon amie. Voilà. Tu vois. Donc j'appréhendais parce que il fallait que ce soit vraiment comment dire, on se connaît, je connais ses amis, elle connaît les miens. Tu vois, donc je ne savais pas comment retourner la situation pour qu'elle entre vraiment ailleurs. Donc quand je me voyais là, je me concentrais. En tout cas, ça a réussi. Bravo à Tati Young qui s'est prêtée au jeu du canular également. T'inquiète, on va mettre ça sur YouTube. Mais toi, donc, tu as appuyé derrière. Il fallait qu'elle se fâche en fait. Je te dis. Je voulais qu'elle entre en transe, qu'elle se dise, mais attends, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe simplement et tout le reste? Allez, en tout cas, on rappelle que Sandrine, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, elle sort son clip aussi. Tout à l'heure, 18h. Voilà, une très très belle chanson. On a vu le teasing. Hein. Mm-hmm. Donc, on attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Quant à nous, dans ce studio, en parlant de Fang Edding, c'est dans ça l'actualité. Sur YouTube, combien de vues déjà? Je ne sais pas. Est-ce que je regarde ça? L'homme a compté ce matin. Non, on n'a pas pris le temps de compter. Bon, non, on va le faire. On va aller sur YouTube tout de suite. Là, directement, on va voir le nombre de vues, voilà, du clip. Hein. Enfin, Eddie, je rappelle que c'est un très, très beau clip. Mais qui travaille, en fait, sur l'orchestration de tous les clips et les rangeurs, en fait? En fait, pour la chanson, l'arrangeur, c'est Brice Esomba. Mm-hmm. Il est pianiste aussi, donc c'est lui qui a arrangé ses chansons. Il m'a aidé à la matérialiser, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai juste écrit les paroles et lui, il a matérialisé tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà. La mise en scène et tout le reste. Maintenant, pour le clip, la réalisation d'équipe, c'est Ndoukan. Ah, yes. Et ben dis donc, on est donc à 4800 vues à 300. Yeah. Mais c'est énorme, hein? C'est bon, c'est beau. C'est une très belle chose. Moi, je ne m'y attendais même pas. Ouais. Non, mais le clip, il est beau. Et nous, ici, hein, à la radio, tout ce qu'on va faire, c'est faire notre travail à nous parce que tu as fait le tien. C'est y mettre ton cœur, ton talent et tout le reste pour que voilà, tout soit beau. Nous, ici, on va pousser simplement beaucoup à travers les antennes pour faire découvrir dans toute l'étendue de ton talent aux auditeurs de Boulevard. Ça a été un plaisir de te recevoir ici, Tati Young. Un plaisir partagé, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu dis à tous les auditeurs? Triplement partagé. Oh, je dis merci, je dis je suis là, je dis écoutez Fang Edding, entrez dans le bateau, entrez dans l'aventure de Tati Young, vous ne serez pas déçus. Tout simplement, des voilà. Bisous à toi, il y a toute ton équipe, bisous. Merci. On écoute cette très belle chanson simplement et on revient juste derrière pour conclure.